prendre contact avec le personnel de l'Office national de sécurité alimentaire, considéré à juste titre comme le poumon du ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires. C'est l'objectif affiché par Fatime Boukar-Kossé, chef de ce département ministériel, qui a dès sa prise de parole ce mercredi 5 mai 2024 rappelé l'importance de cette rencontre. La présente réunion d'orientation s'inscrit dans la dynamique de la 5e République, où le président de la République, le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a fixé les grandes lignes de sa politique. Laissez-moi vous dire que la mission est vaste. Et pour relever cette mission, nous sommes appelés à retoucher les manches. Colonne vertébrale du ministère et grenier national, l'Office national de sécurité alimentaire attire particulièrement l'attention du ministre. Le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, dont les missions dédiées dans le domaine de l'action sociale et de la solidarité, reposent essentiellement sur l'ONASA. Un message compris par l'équipe de l'Office national de sécurité alimentaire qui, par la voix de son directeur Ahmad Mohamed Kossé, promet de s'investir pleinement afin de répondre efficacement aux besoins des populations en situation de vulnérabilité.